Alors, le programme de reskilling du groupe permet aux collaborateurs en mobilité de se réinventer dans un nouveau métier. Et les métiers couverts sont très larges. Il y a des métiers bancaires classiques, il y a des métiers du numérique. On va de l'audit, des achats, des métiers du projet, aux métiers de la data, du UX design ou encore du dev. Chacun peut y trouver quelque chose qui lui convient. Le reskilling passe par, en fait, le fait de combler un gap de compétences par une formation massive qui est proposée par un organisme reconnu, que ce soit une université, une école ou un organisme de formation. Les collaborateurs sont informés par mail de tous les programmes que nous leur proposons. Ça leur permet de développer leur employabilité. Pour le manager, ça lui permet en fait de staffer ses postes, donc de résoudre un problème opérationnel important, de le faire avec une vraie économie, en capitalisant sur les hommes et les femmes de Société Générale. Et également, cela apporte beaucoup d'attractivité sur le métier. De ce fait, ils ont plus de candidatures que pour un poste en mobilité classique. C'est donc un programme win-win, à la fois pour le collaborateur et à la fois pour l'entreprise. Alors, on a constaté avec beaucoup de plaisir que les programmes de reskilling créaient tout seuls de la diversité et de la mixité. Aujourd'hui, nous avons 67% de femmes. On a des profils de 26 à 55 ans. On a des collaborateurs qui viennent de toutes les directions. C'est une vraie fierté et c'est une vraie satisfaction de le constater, même si ce n'est pas le premier objectif du programme. Dans un monde qui est aussi chamboulé que le nôtre par la révolution numérique qui nous impacte, avec en plus les effets de la crise Covid, eh bien le reskilling est un début de réponse à l'ajustement des compétences. Il permet d'aller chercher des collaborateurs qui ont un socle de compétences sur des métiers en tension ou nouveaux dans le groupe et de leur apporter ce qui leur manque par une formation d'excellence.